Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Sachez que la dernière fois, dans la vidéo précédente qui est sortie la semaine dernière, où la police vient chez moi pour m'embarquer, alors figurez-vous, hein, parce que je l'ai compris après, en fait, les gars, c'était des faux policiers. Mon oncle a envoyé des gens pour me prendre et pour m'enlever parce qu'il avait peur que je parle. En fait, c'était pas la vraie police, parce qu'il savait que la vraie police allait venir chez moi et il savait que si la police venait, j'allais dire non, mais c'est mon oncle qui a fait ci, qui a fait ça, et il serait allé le chercher à lui. Donc en fait, ils sont venus chez moi, comme ça, moi, ils m'auraient embarqué, ils se seraient débarrassés de moi, parce que je vous le dis clairement, c'est ce qu'il comptait faire. Hein. Il allait se débarrasser de moi pour que lui, après, il soit tranquille. Et les flics, ils auraient pensé quoi? Ben, les flics, ils se seraient dit, les vrais flics, seraient dit, bon, ben, Kamof, il est introuvable, il a disparu, on sait pas où il est, voilà, tant pis, pas aller chercher ailleurs. Tandis que s'ils m'avaient trouvé les flics, si les vrais flics étaient venus chez moi, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit comme dans la vidéo. J'aurais dit les gars, c'est pas moi, ma voiture je l'ai prêtée à mon oncle, patati patata. Et les flics, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient allés voir mon oncle. Et mon oncle aurait eu des emmerdes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une suite à cette vidéo. Parce que vous l'avez vu, je suis parti en courant. Les flics ne m'ont pas attrapé. Et je suis parti voir les vrais flics pour aller leur expliquer l'histoire. La suite, je vous la dis pas. Je vous laisse regarder cette vidéo. Comme ça, vous comprendrez mieux. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Ciao. Bon les gars, je viens d'avoir mon oncle au téléphone. Nouvelle incroyable, j'ai réussi à l'avoir par un ami à lui. Je l'ai eu au téléphone, j'ai dit qu'il fallait qu'on se voit. Je lui ai pas raconté ce qui s'était passé. Donc là, je vais prendre ma casquette, je prends la voiture, je vais au lieu du rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous dans un endroit assez spécial, c'est une gare désaffectée. Je crois qu'il m'a donné une adresse. On va y aller, je vais y aller avec mon caméraman. Comme ça, il filme sur place en caméra cachée au cas où il se passe quelque chose. Et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer. Allez, je prends ma casquette et on y va. Bon les gars, là on est sur les lieux avec le caméraman. Mon oncle ne nous a pas vu arriver. Donc le caméraman, il va rester ici, il va rester caché. Et voilà, là on a l'adresse que mon oncle nous a donnée tout à l'heure par téléphone. On s'y est rendu. Je filme parce que je sais pas comment ça se passait. Comme il fait que des coups tordus, je sais pas s'il a prévu de faire un truc, je sais pas. Enfin bref, voilà, je prends mes arrières. Heureusement, jusqu'à présent qu'on a filmé. Donc là, le caméraman va rester ici et moi, je vais y aller. Je vais y aller doucement et puis je vais faire comme si rien n'était. Voilà, j'espère que ça va bien se passer et puis je vous dis à tout à l'heure. Oh, tonton, tu me fais quoi? Me dis pas, tu sais très bien. Ils m'appellent, ils me disent les flics sont venus à la maison. Mais pourquoi les flics qui viennent à la maison, ils veulent... Mais qu'est-ce qu'on fait? Les flics qui viennent, ils me disent oui, il a fait il y a eu un braquage avec votre... Un braquage? Un braquage. Ah, un braquage, mais ils ont pété les plombs, quoi. Tu comprends que j'ai des doutes. Normal. Voilà, donc si c'est toi, faudrait que tu... Moi, je suis juste vignette, d'accord? Oui. Moi, tu fais ça dans le dos, fais maintenant, tu veux croire qui tu veux, les flics qui viennent chez toi. Alors, désolé, moi, c'est pas pour moi. Attends, écoute-moi. Tonton, je vais te dire un truc. Les Tesla. Ouais. Tu sais qu'elles sont dotées de caméras, d'accord? Donc elles filment. Ça sert à quoi? Je savais pas. Moi, j'ai visionné les caméras. Ouais. Et je t'ai vu. J'aurais pu donner les caméras. Ah, la police serait bien que je te donne. Je sais très bien pourquoi le rendez-vous il est là en fait. Pourquoi? Ton avis. Si tu connais les caméras, si tu les as vues, tu sais. Ben, je sais que tu as fait un braquage, oui, mais je voulais que tu me le dises. Donc, mais si un jour il t'attrape, ouais, tu vas faire de la prison pour moi. Parce que c'est ta voiture, c'est tes papiers. Ah oui, d'accord. Ça, tu comprends pas. T'es mon neveu, donc du coup, tu prends l'initiative d'aller pour moi en prison. Non, attends, écoute. Ça, c'est vrai, tu vois, maman, elle avait raison. Elle m'avait, tu vois, j'ai voulu, moi, reprendre contact avec toi parce que j'avais plus de contact. Et parce que maman, elle voulait pas que je reprenne contact avec toi parce que tu étais rentré en prison, etc. Elle m'a dit, fais attention, machin, tu vois. Et elle m'a demandé une mauvaise fréquentation. Bah, apparemment, oui. Et là, on fait comment? Vas-y, explique-moi. Là, je fais quoi? Je vais à la police, je fais quoi? Je vais les voir, je leur dis, non, c'est pas moi. Donc, moi, je peux pas rentrer à la maison. Toi, tu peux pas rentrer ici, on va rester là, on va faire quoi? Soit tu te dénonces, soit je sais pas. Mais il va falloir que tu dénonces. Tu fais des conneries, à un moment donné, tu les assumes. Non seulement tu fais des conneries, mais en plus, tu fais des conneries avec les affaires. Voilà, dans tous les cas, c'est. Si t'as les flics, dans tous les cas, c'est toi qui prendras. T'es pris comment ici? Comment je suis venu? Comment je suis venu à pied? Tu vas pas venir arriver à pied? Je suis revenu en voiture sinon. Dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde. Tu es dans la merde. Moi, je suis pas dans la merde. Hein. Moi, je te rassure tout de suite. Oh, moi, je vais aller voir les flics, il faut que tu dénonces. Mais je me dénonce de rien du tout. Tu veux pas te dénoncer? Non. Donc, moi, je vais rentrer en prison pour toi. Tu crois vraiment ça? Tu es venu avec qui? Tu es venu avec qui ici? Tu es venu seul dans tous les cas. Tu sais très bien, j'ai fait un braquage il y a 2 ans. Je suis rentré en prison. Et là je vais encore rentrer. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi exactement? J'ai braqué avec la voiture, j'ai braqué, je suis allé voir une bijouterie, j'ai braqué, tu sais ce que c'est, non? Tu sais ce que c'est, braqué? Moi je veux pas rentrer en prison, je suis obligé de te dénoncer, tu comprends? Mais comment ça, tu vas me dénoncer de quoi? Tu vas me dénoncer de quoi? Tu me dénonces de quoi ou pas? Hein? Et même en prison, si tu me dénonces, si je rentre, je te fais mourir. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Espèce
Dommage à la rivière. Je suis désolé, je suis obligé. J'étais obligé. Je suis dégoûté, frérot. Sur ma vie, ça me donne envie de pleurer et tout, je te jure. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est mon oncle, frère. Tu vois ce que je veux te dire de base, c'est mon oncle. Là, je suis dégoûté, la vérité. Je sais pas comment. Ah, non, mais je te fais pas comme ça. Déjà, on remercie. Au moins, on a eu ce là, on venait juste avec nous pour les papas. Tout simplement. Donc là, je viens pas de menottes. Pas de garde à vue. On est juste avec Olivier, du coup. On met les papiers. Et on vous laisse partir. Ok. C'est obligatoire, c'est la procédure. Non, mais moi, monsieur, c'est là, je. Je suis en train de passer sa vie à la caméra. On l'a laissé, mais dans tous les têtes, on arrête tout ça, on arrête de filmer. Et va revenir avec nous, s'il vous plaît. Il y en a que juste pour une heure ou deux. Donc, c'est sûr. Je vous mets pas les menottes. Rien de tout ça. Ouais, vous avez eu les aveux. Vous avez, on a les aveux, on a tout ce qu'il faut. Venez avec nous, pour les papiers. Une heure ou deux, vous êtes repartis, Max. Bon. D'accord. Et Alida nous a bien servi, merci. Alex, tu sais quoi? Reste là. Vous avez pas besoin du caméraman. Non, non, juste de vous. Tiens, je te donne le micro et tout. Ok. Je te laisse tout, parce que c'est grâce au micro que vous avez pu. C'est ça. Et après, on prend aussi les papas pour récupérer votre véhicule. Ben ouais, s'il vous plaît. Ouais, c'est clair. On dira aux gens d'aller sur la chaîne secondaire pour la suite. On fera une vidéo sur la chaîne secondaire explicative. Ok. Allez, s'il vous plaît, le soleil. Allez, c'est à l'heure. À toutes. Tu rentres avec. Ouais, t'inquiète, ouais.